À l'issue d'une visite d'inspection effectuée sur la route Mbao-Kamango, le vice-gouverneur du Nord Kivu a dit être satisfait de l'évolution des travaux sur ces tronçons routiers. Exécutés par la société Jocas Trading de l'opérateur économique Jonas Kasimba, ces travaux couvrent au moins un espace de 76 km. Le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka a salué la qualité des travaux. Je suis complètement ravi parce que c'est la route qui fait que le pays se développe. Sans route, un pays ne peut pas se développer. Et notre effort principal est axé sur les routes afin que nous puissions joindre des villes, des villages et que la population puisse se déplacer rapidement. Nous avons notre partenaire Jocas et tout ce que nous lui demandons, c'est de continuer à faire confiance au gouvernement provincial en raison de l'accord et du contrat que nous nous sommes fixés avec lui. En tout cas, je suis satisfait. Je suis satisfait jusqu'au niveau où nous sommes, je suis satisfait. Mais que ça continue comme ça, qu'on ne faiblisse pas. Ce même sentiment a été émis par les usagers de ces tronçons routiers qui recommandent à Jocas Trading d'accélérer les travaux vers des endroits encore impraticables. Ils ont félicité la société Jocas Trading pour les sérieux constatés dans la réhabilitation de la route Mbao-Kamango. Kambale Sakumi est chef de parking Bauma. Ici nous sommes à Totolito. Nous demandons à Jonas Kasimba d'intensifier les travaux dans des zones encore impraticables, qu'il continue à utiliser la latérite des carrières PK9. Nous ne connaissons plus de panne dans la partie déjà réhabilitée. La réhabilitation de cette route va aussi permettre le bon déroulement des opérations militaires dans cette zone en facilitant la circulation des engins militaires à cas d'intervention, indique l'autorité provinciale. Ces travaux étaient lancés depuis au moins 3 mois, précise Clovis Sirwayo, coordonnateur de Jocas dans la zone. Les résultats restent satisfaits selon les constats faits par l'autorité provinciale et quelques usagers.